Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu fatigué. Mais au moins, j'ai pas mal au bide. Voilà, j'ai plus mal au bide, donc ça, c'est cool. Ça avait continué encore un peu ce matin, machin. Mais là, c'est bon. Je pense que c'est passé. Je me suis bu, avant d'aller me coucher hier soir, un bon gros verre de bicarbonate de soude. Je peux vous dire que ça fait la zumba dans mon ventre toute la nuit, mais au moins aujourd'hui j'étais peinard, ça m'a complètement guéri. Donc voilà, bicarbonate de soude, c'est dégueulasse, hein, faut se le dire, hein, c'est dégueulasse. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur cette terre qui aime le goût du bicarbonate de soude, c'est extrêmement salé. Et ben, voilà, c'est dégueulasse, mais ça fonctionne très très bien. Je me suis nettoyé l'intérieur, si je peux me permettre. Et j'ai terminé le taf un peu plus tard que prévu. Et apparemment. En fait, genre hier, j'avais pas été impacté au niveau des transports. Et aujourd'hui, c'était le dawa, il y avait plein de monde. Hein, c'était la merde. Et pourtant, je travaille pas loin de là où j'habite. Mais quand même, en fait, genre le transport ne venait pas, donc voilà. C'était la mierda. Bon, hier, on avait commencé à visiter ici, donc on avait fait des trucs, on avait recommencé le jeu, ça fait un moment, blablabli, blablabla, nanani nanana. Mais on s'est réhabitué un petit peu au jeu. Je dis pas qu'on est fort actuellement, mais on recommence à recouvrer un semblant de niveau. Ok. Et donc nous sommes arrivés à Lendel, je crois. Ouais, c'est ça, Lendel. Alors ici, donc près de l'arbre monde, hein, que nous pouvons voir juste ici. Donc nous sommes très 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 près. D'ailleurs ici, il y a un squelette de dragon. Je ne sais pas si on peut appeler ça un squelette. Plutôt un dragon figé, en fait, tout simplement. Un dragon figé dans la pierre. Donc, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. On avait réussi à trouver... on avait battu un gros arbre juste au-dessus, là. Notre but hier, avant de nous quitter, c'était de trouver un site de grâce dans la ville. Chose faite. Quitte ton live et viens sur Pokémon. Salut Antigan, comment vas-tu? Tu veux dire Palworld? Attention avec les mots. Attention, je veux pas de problème avec Nintendo, moi. Je veux pas de problème avec Nintendo. Bah, c'est à dire que j'ai un peu un programme de stream. Donc, c'est pas que je veux pas jouer avec toi. Mais là, actuellement, en plus, j'ai envie de jouer à Palworld. Mais c'est juste que, bon, un programme. Voilà, un programme, il faut s'y tenir. C'est la même. Oui, c'est la même, mais il faut pas le dire. Là, il y a les avocats de Nintendo là, qui sont en train d'éplucher. Ils sont en train d'éplucher Palworld à 100% histoire de réussir à trouver le truc qui pourra les faire tomber. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que l'équipe derrière Palworld a fait en sorte de faire les choses bien? Ça, on ne le sait pas. Et on le saura d'ici quelques temps. Alors, il faut que je teste un truc parce que j'ai regardé un truc sur le net. Voilà, c'est ça. Les contre-attaques dont je vous parlais hier. Ah merde, mais il y a du gens ici. Bonjour. Ah oui, il y a peut-être un peu trop de gens. Logiquement, oui, tout le monde appelle les pales Pokémon. Oui, non, mais bien sûr, tout le monde appelle pales Pokémon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que les utilisateurs... appellent ça des Pokémon que ça peut leur porter préjudice. Hein. Ça s'appelle des pales. Hein. Après, que les gens appellent ça des Pokémon, bon bah... Tant pis, hein. Tant pis pour eux, hein. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, si Nintendo, ils se bougeaient le cul et ils arrêtaient de sortir des jeux tous les ans qui sont à moitié terminés et qui prenaient 3-4 ans pour faire un jeu, déjà, tu vois, ça changerait la donne. En fait, je pense que honnêtement, Palworld, il aurait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui si Nintendo respectait un peu plus ses joueurs, en fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Nintendo avait fait le job en amont. Et attention, je dis pas que les Pokémon sont des mauvais jeux. C'est faux de dire ça, mais ils sont pas assez travaillés. Ils sont pas assez travaillés parce qu'ils ont pas le temps. Game Freak, qui travaille sur les jeux Pokémon, donc eux, ils font ce qu'on leur dit de faire. Hein. Ils ont un an pour développer un jeu, bah ils le font, tant pis.
Et derrière, c'est la Pokémon Company qui est en mode « Oui, mais nous, on a un agenda à respecter. Nous, écoutez, là, c'est un jeu, là, c'est les cartes. Là, c'est les cartes, là, c'est les cartes, là, c'est les cartes. Là, c'est l'animé. Là, c'est un film Pokémon. » Film Pokémon, hein. Aussi, il doit pas y en avoir tant que ça. Mais bon, voilà quoi. On va arrêter de prendre les consommateurs pour des pigeons. J'ai oublié la touche. C'est quoi déjà la touche? Ah oui, c'est ça. Aïe! Je l'ai pas fait assez rapidement, je crois. Ah mais non, c'est R2, je me trompe. Ouais, voilà. Ouais, c'était ça, hein. C'est ça que j'abusais avant, je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens. Quand il s'agit d'abuser, je m'en souviens. Ils évoluent pas les jeux Pokémon. Ils ont tenté des trucs, genre avec Arceus, ils avaient tenté un truc. Ils ont commencé à adapter, à évoluer un peu leur formule d'open world. C'était plutôt intéressant, il y a eu des essais, il y a eu des trucs qui sont passés, mais c'est jamais... Ça va jamais jusqu'au bout, en fait. C'est ça le problème. Ça va jamais jusqu'au bout. Mais parce qu'ils ont pas le temps, en fait. Ils ont pas le temps d'aller jusqu'au bout, c'est ça le problème. Je leur laisse pas le temps. Putain, mais il y a un site de grâce juste ici encore. En fait, je sais pas si... Oh, waouh, c'est quoi ce gros truc là? C'est un ennemi? OMG. Je sais pas si je vais dans la bonne direction parce que là, je dépasse ce qui était censé être la capitale royale, enfin le milieu. Le milieu. Je sais pas réellement où je dois aller. Bon, on va le débloquer dans tous les cas. Histoire de pouvoir se TP. Je sais pas. Oui, non. Pas abuser. Je n'ai pas assez de cendres. Alors attends, ça m'intrigue là. Est-ce que c'est un ennemi? Il y a une statue. Une statue de Marika là. Une effigie de Marika. Oh oui. Ah bah oui. Oh oui. Putain, mais il y a des mecs qui font du son aussi là. Du bon son de brut pour les truands. Est-ce que je reconnais? Je reconnais pas plus que ça. Hein. Mais là, ça va mal se passer pour moi là. Ah. Ok. Oh putain. C'est les albalétriers là. L'angoisse, ces mecs. Eh oui! C'est pas mal, c'est pas mal. On est tout en bas. Est-ce qu'on a envie d'être tout en bas? J'en sais rien, je crois pas. En fait, c'est juste la zone, elle est gigantesque, quoi. Je crois pas que j'ai envie d'être ici. Ah mais non! Ah mais je reconnais ça. J'étais déjà... Ah oui, 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 j'étais déjà venu. Et je crois que je peux pas retourner, là. Non. Bien évidemment. C'est pas grave. C'est pas grave. Quoique... Ah mais non, attends, c'est des chiens. Ah non, je suis pas allé ici, en fait. Je dis de la merde. Je dis de la merde. Il y a vraiment des passages de partout. Bonjour. Bonjour. Lame d'affûtage sanctifiée. Marteau. Lame d'affûtage sanctifiée, c'est un truc qui fait partie des clés. Lame d'affûtage sanctifiée.
Ah, c'est ça que j'avais eu la dernière fois. Cendres de guerre perdues permet de dupliquer des cendres de guerre. Ah, ça sert à quoi de dupliquer des cendres de guerre? Ça sert à quoi? Ah, c'est ça. C'est quoi? Permet de sélectionner d'autres affinités d'armes. Oh! D'accord. Sanctifié. D'accord. Est-ce que jouer à plus? Ça marche, à plus. T'as commencé du coup? T'as commencé Palworld? Attends, mais. C'est la salle de la table ronde. The fuck. Arc runique. Oui, level 14 actuellement. Ok, ah bah oui, ça va. T'as bien joué déjà. Et ça ouais, ça te plaît, ça va. Moi j'imagine que si t'y retournes, c'est que ça te plaît. Hein. Attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi c'est genre les... Pourquoi c'est genre la... Épée cryptée. Je suis mal à l'aise là. Pourquoi c'est l'endroit de la table ronde, mais foie. Ah, c'est une épée foie. Pas grave, plus. Vas-y mec, amuse-toi bien. Puis on jouera à l'occasion, t'inquiète, on jouera. Faut qu'on fasse du LOL arène là aussi. Bordel, faut qu'on se cale ça. Je sais pas quand, mais un jour. De forge 5. C'est pas un PNJ qui pourrait m'expliquer ce qui se passe. Peut-être qu'en fait, je suis dans une, comment on dit? Une ambiance alternative, table de la grâce, ça. Dans une ambiance alternative, j'ai dit dans un monde alternatif. Peut-être ça le bail. Ou alors ils ont recyclé la table ronde. Ils ont recyclé les murs de la table ronde. Non quand même. Ça c'est pas du travail d'Elden Ring ça, de FromSoft. C'est impossible. Il doit y avoir une explication. Malédiction du semi. Merde. Malédiction du semi. Malédiction apparue sur un corps souillé par le coprophage. Mmh. On prend pas tout. En tout cas, y a du loot ici, j'aime bien. Du loot actuellement, je sais pas s'il va me servir, mais il y a du loot. Ah oui, là c'est où il y a la meuf qui à qui je peux faire un câlin. Par mon épée, je trouvais une emote. Rune de héros. Et je crois qu'elle te donne un malus, je crois, je sais plus. C'est quoi le délire avec elle? Qu'elle te donne un malus. Ah. Je viens d'ici. Merde. J'ai loupé le loot. J'ai loupé le loot, lampe rouge. Carreau torsadé noir. Bréviaire des deux doigts. Encore un objet clé. Permet de perfectionner la renaissance. Un livre.
À donner à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Ah ok. Bon, ça nous intéresse pas. Hein. I'm not a priest. Alors, il y a du monde ici. Y a personne qui va répondre à mes questions. Ok. Oh, un full stuff mage. Chapeau pointu d'Albéric, robe d'Albéric, brassard d'Albéric, pantalon d'Albéric. Ça a l'air joli, hein. Ça a l'air vraiment joli pour le coup. Physique 1.8. Après, il n'y a pas de stats spéciales sur les objets. Parce que c'est vrai que moi j'ai un truc samouraï, mais est-ce qu'on peut pas mettre autre chose mieux en vrai? Possible. Je suis pas obligé de ressembler à un samouraï, même si j'en suis un. Est-ce que on a un équipement qui serait genre mieux de partout? Est-ce que ça existe? Non mais alors ça. Il y a de la résistance, mais il y a la résistance sur les stats là, immunité, robustesse, machin. Mais par contre, résistance aux dégâts. Zéro. Zéro, je te dis, zéro. Ça, c'est pas mal. C'est plus lourd, mais c'est pas mal. Ah oui, mais du coup, je passe à 37.8. Oui, mais de toute façon, je suis toujours en charge moyenne, je pense. Ça améliore l'équilibre. Par contre, c'est moins... Je prends plus cher en foudre, alors qu'actuellement, la foudre, c'est un peu le truc dont j'ai envie de me protéger. Est-ce que c'est pas ça le but? Avoir un truc qui me protège bien en foudre là. Parce qu'actuellement je suis à combien? Je suis à 4.2. C'est vrai que globalement ça apporte quand même des très bonnes stats de partout. Hein, le chapeau de samouraï là. Lui est pas mal. Je perds bien évidemment des résistances, vitalité, immunité. Foudre, je perds un peu de points, mais globalement je gagne beaucoup dans tout le reste. Surtout les dégâts physiques. Mais magie, feu, sacré aussi. Intéressant. Là, je perds du foudre aussi. C'est dingue. Il y a assez peu de trucs qui protègent contre la foudre au final. Surtout les trucs de pierre là, qui protègent contre la foudre. Contre la foutre. Ah, c'est la même chose ça. Comment ça? Oui, il y a une perte de PV sur celui-là, mais pas sur celui-là. Il y a des stats cachés. Changer affichage milieu. Ah, il y a des... Oui. Augmente grandement l'intelligence au détriment des PV et de l'endurance. Ok. C'est vrai qu'il faut que je regarde aussi les bonus. S'il y en a. Là, il n'y en a pas. Est-ce que sur le loup, il y en a? Non. Relique d'un assassin qui accepta d'endosser le rôle de bras droit de Rani la sorcière. La ressemblance est frappante. Peut-être qu'on peut se faire passer pour quelqu'un en mettant ce masque-là. En soi, j'ai pas un truc qui me def de fou en foudre. En vrai, peut-être qu'on peut aller chercher quelque part d'autre. La def en foudre. Sur d'autres équipements, peut-être.
Pas. Là, il y a de la raise en foudre. 12.4, je suis à combien actuellement? Je suis à 11.9. Oh, waouh. Pas mal, ça. Après, par contre, je perds beaucoup de résistance dans, dans les autres trucs. Ouais, immunité 60. Là, je passe à 28. Robustesse 50, 46. 50, 21. Bah, franchement, l'équipement de... L'équipement de samouraï, il est vraiment pas mal. Hein. C'est un équipement basique, hein. C'est celui qui te donne au début avec la classe. C'est pas dégueu, moi je vous dis. Ouais. En fait, il est pas mal, mais bah, il me fait perdre de la foudre. Ouais, mais je pense que globalement, je trouverais pas mieux. Hein. En fait, j'ai l'impression que si je mets un truc pour la foudre, je suis obligé de sacrifier un peu trop d'autres trucs. C'est pas mal ça. What the fuck? Jambière du chevalier banni. Niveau stat, c'est pas mal. On perd juste un peu de foca vita, mais on gagne tellement dans tout. Et on reste en charge moyenne pour l'instant. What the fuck? C'est vrai que je m'étais jamais vraiment trop intéressé à mes à mes stuff depuis je crois quand j'ai quand j'avais joué l'année dernière, je regardais pas plus que ça. Eh bien, j'aurais dû. Pourquoi il y a trois emplacements? Je peux m'équiper trois boucliers différents? Ah oui, c'est pour mettre des emplacements pour mettre genre par exemple si je veux changer, switcher sur une arme en main gauche ou des trucs comme ça, j'imagine. Est-ce que je peux mettre un Ushigatana main droite et un Ushigatana main gauche? Possible ça? Oh putain, oui! Mais c'est trop stylé! Et l'attaque avec le droit, mais si je fais les deux en même temps. Non. Gauche. Ah, donc il faut que j'attaque. Faut que j'attaque avec le. Si j'attaque avec le gauche, il attaque avec les deux en fait. Alors qu'avec le droit, il attaque avec le droit. Ok. J'ai pas visité les autres trucs. À tester. À tester, pardon. Ah putain, attends. Ah oui, par contre, je suis plus lourd là. Ah oui, j'ai une roll de merde là. Mais pourtant, j'étais resté en charge moyenne. Bah, c'est peut-être pas ça en fait. Peut-être pas ça la stat qu'il faut regarder. Ah mais non, c'est à cause du deuxième katana que je suis passé en charge lourde. En fait, je t'explique en fait. Et oui, je passe en charge lourde à cause du deuxième katana. Intéressant. Après, j'ai envie un peu de tester quand même le double Ushikatana. Mais après, il est pas monté. En vrai... Je pense que je vais attendre de le monter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... On va enlever l'Ushigatana, là. Et je monterai celui-ci en parallèle, et je lui mettrai un autre élément. Comme ça, ça peut être pas mal. Ou alors, je fais double glace, ou alors j'en fais un 100, un glace 100. Ouais, il y a quelque chose à faire. Hein. Bon, après, juste, je pourrais plus compter sur le bouclier. Hein, mais ça, on est au courant. D'ailleurs, en parlant de bouclier... Il faut peut-être que je vérifie un peu les boucliers. Bon, après, je pense qu'il y en a beaucoup que je peux pas porter à cause de la force. Ça, c'est le problème. Bon, le scaling sur des boucliers, on s'en bat les couilles. Par contre, les résistances. Ça m'a l'air d'être globalement des bons boucliers de merde.
Après là j'ai que 34 de raise en foudre. Après la foudre elle m'arrive sur la tête, donc j'ai envie de te dire ça me sert à rien. Genre le bouclier c'est pas ça qui me protège de la foudre actuellement. En fait c'est limite il me faudrait un équipement anti-foudre. Genre vraiment il est conçu pour être anti-foudre. Et ça doit sûrement exister. Mais va trouver ça dans un open world. Avec des endroits cachés, minutieusement cachés. C'est pas tissuite, hein. Moi je te le dis hein, que je vais le trouver s'il y en a un. Ah, cendre. Ah, tableau. On peut rentrer dedans. Tellement de trucs là. Fiole sacrée, sort mémorisé, mélange, coffre, rune. Modifier les vêtements, cendre de guerre. Chapeau pointu d'Albéric altéré. Après modification. Tu peux changer l'apparence de certains objets, c'est ça ? Altéré. Ouais, c'est ça, ouais. Armure des terres roseaux altérées. Et ça change quoi globalement ? 8, 8, 9, 5, 11, 9. Mais ça compare avec ce que j'ai. Enfin, ça compare ça avec ce que j'ai actuellement. Ça compare le même truc. Et je comprends pas. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça change le style, mais. Je sais pas si je l'avais pas déjà fait en fait. Sur le mien actuellement là. Je sais pas s'il a toute la paille là de base. Ça me dit rien. Peut-être que je l'avais déjà fait. Justement. Tableau oiseau inapte au vol. Ah non, les tableaux. Ah ok, j'ai cru qu'on allait rentrer dans le tableau. Non. Pas du tout. Il faut prendre les. Il faut prendre l'étoile en fait, ok. Alors ça me dit. D'un coup, ça me dit quelque chose. Sûrement un PNJ qui les réclame, cette étoile, non ? Je sais plus. J'ai un doute. I've got a doute. Donc là on ressort, putain. Ok, donc on va aller voir ici. Donc ça c'était le truc que j'avais, l'endroit que j'avais ouvert. Est-ce qu'il y a un boss qui nous attend ici? Du coup il y a une cendre pas loin. Ah, et une machine. La Machina del Diablo. Aïe. Merde. La Machina qui me bouffe. Ah oui, jusqu'au bout. Ok. Alors je me souvenais de ces machines. Je me souvenais pas par contre qu'elle te... Qu'elle te gardait jusqu'à la fin quoi. Oh bah heureusement que je suis allé chercher cette... Heureusement que je suis allé chercher cette cendre avant. Sinon, on aurait eu l'air con. Bon, globalement, le maître mot, c'est ne pas être devant. Ah oui. Ne pas être devant, ne pas être derrière, ne pas être sur les côtés. Alors globalement, faut être nulle part du coup. Non, putain. Je suis mort, hein. Globalement, on va skip le mob. Je pense que globalement, on va juste skip ce mob de merde.
Tu ne m'auras pas. Et voilà, je l'ai baisé. Oh putain, il y en a d'autres. Papillon naissant. Encore un ascenseur, ça ? Tirer levier. Ça me fume comment j'avance, entre guillemets, dans le jeu, mais je sais pas où je vais, genre, c'est... Je découvre des nouveaux trucs à droite à gauche. Des nouveaux chemins que j'ai jamais pris. Bon, en même temps, c'est immense. Oh, attends, je crois que je reconnais. Mais oui ! Mais voilà, ça y est ! C'était l'endroit qu'on avait débloqué de base et qu'on pouvait rien faire parce que ça, c'était pas remonté. Ça y est. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux l'appeler quand je veux maintenant ? Ah, je peux peut-être l'appeler quand je veux maintenant, le mécanisme. Je peux peut-être me TP pour venir ici instant. Je crois qu'il y a des géants, si je dis pas de bêtises ici, dans mes souvenirs. Et qu'il y a un portail à gauche. Là, j'ai des souvenirs qui sont en train de me revenir en tête, là. Là, normalement, il y a des géants. Attends, mais il y avait un géant ici, non ? Ah, mais peut-être que le fait que je l'ai battu, il apparaît plus. Parce que j'étais persuadé qu'il y avait un géant ici. Mais peut-être que c'était un géant unique. Enfin bref, en tout cas ici il y a un portail qui emmène je sais plus où du tout. Mais c'est cool. C'est cool. C'est cool mais après bon ça m'avance pas plus que ça. Je vais pas vous mentir que ça ne m'avance pas plus que ça dans ma recherche. De où est le boss de cette région. Where is the big boss? The big box. The big boss. Stylé avec cette tête de loup quand même. Comme eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il y avait à visiter sinon ici? Là il y a un truc à récup. Hache de faucon des tempêtes. Il est venu le temps des tempêtes. Le temps des tempêtes. Il y a l'autre broyeur qui passe par là. Ah, je vais être mal là. Bonjour. Bien esquivé là. Est-ce qu'il y a d'autres chemins ou pas hein? Il y a l'air d'avoir que ça. Ok. Donc ça ne servait qu'à ça? Ça ne servait apparemment qu'à ça. Eh bien sortons. Sortons et... Et visitons. Il y a des chevaliers pas cool. Il y a une grande porte. Je ne peux pas ouvrir. Je ne sais pas où aller. Quoi ? Un archer ? J'entends un archer. Arrêtez, veuillez arrêter l'archer. Toute tentative de meurtre sur ma personne est à prohiber, s'il vous plaît, merci. Merci d'arrêter vos conneries, Granit. Granit sans façon. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici. À part du granit dont je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a l'autre qui me court après depuis une heure. Oh non, c'est bloqué. Vite. Hop là.
Les griffes du dragon. Et toi qui me fais chier là. Comment je te rejoins? Ah, merci d'arrêter. Aïe. Aïe. Ils sont trop cheatés. Ils sont trop cheatés, ceux avec la foudre. Putain. Putain. Bon, moi j'ai visité ce coin, je pense. C'est limite, je suis à deux doigts de me dire que... Que je reviendrai dans cette zone quand j'aurai un truc anti-food là, hein, parce que franchement... Franchement c'est dur. Ils font pas de cadeaux les méchants. Le chien. Ah oui, donc on retombe ici. Bien, ça tombe bien. Enfin, je crois, je sais plus. Non, je sais plus. Je dis des choses, mais je sais plus. Ouais, si, on n'est pas monté là. Nous ne sommes point montés par ici. C'est quoi ça? C'est un ennemi ça? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Ennemi? Allié? Allié ennemi? Il a une barre de vie ennemie, mais. Il a pas l'air de vouloir m'attaquer. Kakashi m'attaquer. Ah. Moi je pars du principe, il m'attaque pas, je l'attaque pas. Hein. Ah. Il y en a un qui s'est levé. Kakashi m'attaquer. Tu m'as loupé là. Spoiler alert, tu m'as loupé. Mais attends, mais pourquoi lui il m'attaquait pas? Bon, finalement. Ouais, je suis revenu sur ma décision. Attends, ce serait pas là la suite du game là? Il y a une espèce d'arène là. Il y a une espèce de colisée. C'est pas trop... Ah, et là je vais vers l'arbre monde là. Putain, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là d'abord? Puis après à l'arbre monde? Enfin, si c'est par là, j'imagine. Ok. 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 On se dit d'abord on va au Colisée. Allez. Allez. C'est décidé. Vu que c'est plus bas, je me dis que c'est l'étape à faire avant. Mais peut-être que je dis de la merde. Ça c'est très probable. Oh, lui il a l'air vénère de fou lui. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes vénère? Ouais, il m'a l'air vénère hein. Ah, j'ai pas réussi. Ah mais putain. Vous savez pourquoi j'ai pas réussi? Parce que je faisais pas les bons boutons. Voilà. Spoiler alert, je ne faisais pas les bons boutons. Merde. Merde, je faisais pas encore les bons boutons. Oh putain, une chope. Oh, je suis mort de chute. Ça c'est une mort, ça c'est ce qu'on appelle une mort Dark Souls. Ça c'est clairement une mort Dark Souls. Tu meurs pas de l'ennemi, tu meurs du reste. Ok, alors très bien, je peux le battre, il faut juste que je sois moins nul et que je fasse attention à sa chope. Être moins nul, ça peut se faire. Éviter la chope. Un peu plus compliqué. Peut-être un peu moins envie. Peut-être un peu plus feignant là-dessus. J'avoue. Du coup, mes âmes, elles sont où? Elles sont en bas? Non, quand même. Non, ça va, elles sont là. Et il est où le bug?
Il fait le tour, il fait une ronde. Il fait une ronde. Il est passé où? C'est un one shot? C'est maintenant ou jamais? Non, il doit faire une ronde, je pense. Dans les escaliers. Ouais, c'est ça. Mon meilleur pote depuis le CP, comment il va? Ah mais si, mais ok, bon, ça va. Faut juste que je regarde mon écran pour la chope, en vrai, ça va. Ça va, c'est pas si dur, faut juste que je regarde mon écran. Voilà. Comme ça qu'on fait. Oui. J'ai fait proc un petit saignement dans sa bouche là. Ah, il y a son pote. Là, il y a des rooftops. C'est littéralement son frère. Mais... Putain. J'ai eu peur. Il lui faisait pas face. Je sais pas si ça fait plus de dégâts derrière que devant. Je sais pas. En vrai, je pense que c'est la même chose. Talisman de bouclier rituel. Talisman. Et là, de bouclier rituel. Augmente la défense quand vos PV sont au maximum. Ok. Ok. Est-ce que mes PV sont souvent au maximum? La réponse est non. Même très peu souvent. Alors, est-ce que je peux venir ici? Oui, apparemment je peux. Colisée royale. Oula. Duel pour lancer un combat contre d'autres joueurs. Ah ouais, non, mais ça ira. Ok, c'est l'endroit pour faire du PVP. Toucher l'idole de Marika dans un colisée. Ce lieu vous permet d'effectuer des duels, un type d'affrontement en 1 contre 1. Ah ok. Non, moi qui m'attendais à un truc de fou là. M'en branle du PVP moi. M'en branle. Ok, bon. Après, est-ce que c'était étonnant? Un colisée, du PVP, bon. Ça n'étonne personne. Très bien, et ben on peut continuer sur l'arbre. Au moins, on sait ce qu'il y a ici. Je vais regarder ce qu'il y a ici quand même. Je sais pas s'il y a des murs illusoires dans ce jeu. Vraie question. Hein. C'est très hul, hein. Ah ok, ça mène... Ah, ça mène à une bâtisse, là. À Baptiste. Ça mène à Baptiste. Ok. Colisée royale. Vendel capitale royale. Ah oui, donc ça doit mener à ce bâtiment. Ah, boss! Il y a une porte jaune.
Ok, donc c'est là qu'il faut que j'aille. C'est là la suite, les amis. What? J'étais vraiment bloqué contre ce rocher, là? Ah, ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment ce qui met fin à ton aventure, quoi. Le petit rocher. C'est comme... c'est comme les herbes là, qui nécessitent la, la CS coupe dans Pokémon. Globe hérissé. Alors tu es bloqué par une herbe que tu peux littéralement enjamber. Ok, et eh bien allons-y. Enfin, après je dis que c'est là-haut, mais attends. Parce que l'arbre il permet pas d'y aller là comme ça. Hein. Il faut passer par derrière. Il faut passer par derrière en fait. Il faut faire tout le chemin, ouais. C'est pas donné comme ça. Oh. Et du coup ici, il y avait des trucs aussi en bas là, ouais. Avec des plantes et tout. Là où je suis mort. Là où il m'a jeté l'autre. Il y a peut-être un truc à récupérer. Et après tu peux peut-être monter. Tu peux peut-être reprendre le chemin de la racine là. Ouais. Ouais ouais ouais. Après en fait... Ouais. En fait je peux pas y aller là actuellement. Je suis obligé de passer par la racine et redescendre. Parce que là comme ça je peux pas y aller. Eh oui. Sinon, je meurs de décédence. Oui. Lui, tant qu'on l'attaque pas, il nous attaque pas, donc on va pas l'attaquer. Hein. Moi, j'ai cette politique assez simple dans le jeu, hein, globalement. Surtout quand c'est des trucs géants. Après, ça dépend. Si je sais ce qu'il peut donner... Bon. Ça se trouve, il a des trucs bien. Et vu que je le sais pas... Aïe. Aïe. Hein ? Oui, il a pas pris le dégât. J'ai mis un coup dans le vent. Regardez pas mon écran. Ah ! Je t'ai vu. Je t'ai vu. En bière de gardien. Je peux même pas monter là. On va devoir se taper tout le truc là. Et donc du coup ouais, j'ai quand même envie de visiter en bas. La Bamba. Voir ce qui s'y passe. S'il y a des trucs intéressants. Bon, ils auraient pas mis cette zone s'il y avait rien d'intéressant. Après, peut-être que ça rejoint juste... un endroit de la map, non? Pierre de forge 6. Attends, mais moi, mon Ushigatana, là, il est level 8, non? Les pierres de forge que je drop, là, elles sont pas ouf. J'ai l'impression. Comment ça se fait que là, je drop du plus 6, alors que... mon Ushigatana, il est en plus 8. Après, je sais plus comment ça marche, là, l'amélioration. Faudrait vraiment que je retourne à la table. À table ronde. Histoire de faire un petit check-up. Que je crois que de toute façon il faut y aller de temps en temps pour mettre à jour entre guillemets les PNJ. Sur les conversations avec eux. Il me semble. Bon, bah, du coup, il n'y avait pas grand chose.
Ça me paraît risqué, on va pas se mentir. Donc on va refaire le tour. Et salut Val, ça va? Ça va, ça va. Fatigué, mais ça va. Ça va mieux qu'hier. Et toi donc, comment va? Il y a du monde ici. Avance bien. Ouais, en vrai, on a pas mal avancé là. Hein. Ça fait quoi je sais pas combien de temps ça fait que je live là. Ça doit faire presque une heure, pas loin. Et globalement, ouais, ça va. Je vais peut-être faire une connerie. Je pense avoir trouvé mon chemin dans toute la cité. Dans toute la grande cité là. Ah oui, du coup là je peux rejoindre le toit pour aller chercher l'objet. Mais du coup là, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas une cendre pas loin. Je pense qu'ils ont dû en mettre une. Costume de gardien en fleurs. Ah cool. Dropper ce qu'il porte. Doit y avoir une cendre pas loin. Enfin pas une cendre. Hein. Un site de grâce. Oh, de grâce. Ah, Godfrey, premier seigneur d'Elden. Ah, bah bonjour. Alors, si je m'attendais à un truc maintenant, c'était pas un boss. Je m'attendais pas à me faire ruiner la gueule comme ça là en rentrant ici. Ah, il y a une effigie de Marika. Elle est vraiment grande la map. Ouais, elle est gigantesque. La map est gigantesque et là... Enfin, rien que là où je suis, c'est une petite partie de la map. En gros, moi je suis ici là. Je suis dans cette cité là. Hier, on est arrivé dans cette cité. Mais voilà, c'est énorme. Genre, tu peux passer facilement, je sais pas... En vrai, j'allais dire 5-6 heures, mais j'en suis sûr que tu peux passer plus de temps. Tu peux passer 8 heures dans cette cité avant de tout découvrir. Bah, voilà quoi. La carte est gigantesque et encore, j'ai découvert que cette partie-là. J'ai encore toute la partie est à découvrir, là. Enfin, c'est gigantique. Putain, c'est vrai. Heureusement qu'il y a les effigies de Marika, quand même, dans ce jeu. Hein. Putain, c'est vrai que heureusement qu'il y a ça. Hein. Alors, du coup... Vu qu'il y a une effigie de Marika. Je vais me permettre de passer par là. Histoire d'aller récupérer l'objet. Alors du coup, je dois affronter un roi là, le roi Godfrey. Mais ça me dit quelque chose le roi Godfrey. Hein. Je crois que c'est un mec important. Hein. Grèce sacrée. Si je dis pas de conneries, ça doit être un mec important. Mais vu que je me souviens plus du lore... Et que je l'ai jamais connu en fait. Mais ouais, je crois que c'est un mec important. Alors après là, c'est pas lui directement. Hein. C'est une espèce d'âme ou je sais pas trop. Il est tout jaune. Ah merde. Ah oui. C'est un boss. Il en a rien à foutre de mes contres. Pas s'il craint mes altérations. Ouais, bah va falloir l'apprendre.
Va falloir apprendre les coups. Là la bobo, on va pas pouvoir l'arnaquer celui-là. Clairement, on va pas pouvoir l'arnaquer. J'ai même l'impression que mon bouclier ne sert pas à grand chose. Enfin, mon bouclier amélioré, je veux dire. Merde, j'avais pas récupéré mes âmes tout à l'heure. J'ai plus d'âme. Quel con. Pas être facile le bug, il me laisse pas beaucoup le temps de lui taper dessus. Il me laisse pas beaucoup de temps. Potion inutile.
J'avais un peu mieux joué, mais j'ai du mal à le toucher quand même. J'ai mis un mid-life. J'ai un peu du mal à le toucher, à trouver des occasions pour le toucher. Je suis un peu plus à l'aise avec la roulade. Pour ce boss. Il y a juste un moment où il enchaîne trop. Et j'arrive pas à ne pas bloquer. En fait, ce boss, si je veux être safe, faut que je mette un coup par un coup. C'était my bad. En fait, je sais jamais, tu vois, c'est ce coup-là, j'arrive pas à le prévoir. Je sais jamais quand est-ce qu'il va continuer son enchaînement ou pas, j'arrive pas à le savoir. Prend pas beaucoup de repos le boug. Et je sais pas si je peux lui faire proc mes altérations. J'ai pas l'impression qu'il soit. J'ai pas l'impression qu'il soit sensible à mes altérations. Déjà, si je faisais ça dès le début, ça aiderait à voir. Il se fait un petit délire au début. Yes. Et des fois, il fait des enchaînements de 6 coups, de 6-7 coups là, c'est quelque chose. Hein. Il a délai là. Les FPS. Les FPS ils sont. Je comprends pas comment. Je comprends pas pourquoi la version PS5 elle est aussi dure. Enfin aussi dure en termes de framerate. C'est. Waouh. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose, hein. Bravo à moi. Oh, mais alors ça, putain. J'ai rien compris à ce qui s'est passé là.
ça va être long. Ça va être long, ça va être du par cœur. J'ai oublié de me booster. Ah mais putain, j'ai pas de bouclier dans les mains en fait. Ça permet quand même que je perde moins d'endurance, le fait d'activer mon bouclier, d'activer la cendre de mon bouclier. Je sais pas si ça me permettrait de tanker les coups avec le bouclier. C'est pas facile, non, clairement. Clairement, là, c'est la galère. Hein. C'est pas ce qui branle au début, là. Toujours les meilleurs timings. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec moi, c'est que j'ai les meilleurs timings. Ah, c'est trop chiant. Le framerate, il est aux fraises. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'on soit sur PS5 et que le framerate soit aux fraises quand même. C'est quand même vraiment dommage. Je suis à deux doigts de le buy sur Steam là. À la limite que. À la limite que le framerate soit aux fraises dans l'open world, bon, passe encore, même s'il y a certains boss dans l'open world. Et putain, quand t'es dans une arène close comme ça avec juste un boss, là c'est incompréhensible. Hein.
Oh, on se fait chier. Évident, à chaque fois je me fais avoir par la même chose. Dommage. Donc le combat est très long en fait. Le combat est très long, il faut que je fasse attention, mais ça va. Là je connais ses attaques. Je commence à bien les connaître. Là à la fin, je sais pas comment on a fait pour arriver sous les piliers là, mais c'était de la merde. C'était de la merde, j'avais une mauvaise vue, j'étais pas bien. Rien que quand il y avait les escaliers et tout là, on s'est déplacé, j'étais pas confiant. Ah, c'est dommage parce que 3-4 coups, il était mort. Enfin, s'il a pas une phase 2, bien évidemment. Ça, c'est toujours la surprise. Juste que j'arrive à savoir à quel moment je peux lui mettre un coup, à quel moment je peux lui mettre deux coups. Que je me fais avoir par ça, le deuxième coup.
m'éloigne d'ici. Escalier plus pylône, ça me donne pas bien envie là. J'étais trop greedy. Oh. Un cheval de poil de cul. Et qui dit n'importe quoi. C'est le stress des examens. Oh oh. Oh putain, c'était toutes les attaques à delay. Attention, il est bloqué. Je fais de la merde. Là je le sens, je fais de la merde. Faut que je me ressaisisse. Tiens. Ah, c'est pas grand chose. Ah, j'aurais dû aller sur lui, ça c'est mon erreur. Pas bien là. Enfin, on est mal placé, ça me trigger un peu. Une merde, c'est dommage parce que deux fois, enfin surtout cette fois là j'ai très mal joué là, faut le dire. Faut être honnête, j'ai trop mal joué. Il était mort, je l'avais, j'ai juste mal joué, j'ai trop hésité, j'ai pas eu les balls de le finir. Il était à portée de main et je ne l'ai pas eu. Attends, viens ici. Viens ici, frérot. Frérot de la Vega, là. Je suis pas sur un bon timing là. J'arrête de reculer. Quoi ? On sort des piliers là, c'est insupportable. Je peux le placer n'importe quand lui, en fait il me casse les couilles. Coincé. J'essaye de reculer. Ça fait 20 secondes que j'essaye de reculer, mais en fait il y a le poteau derrière moi et je n'y arrive pas. Bien évidemment.
En fait, j'essayais, je décalais mon joystick genre vers la gauche, mais ça voulait pas. L'angle était méchant. Dommage. Mais ouais, putain, en fait, ce qui me casse le plus les couilles dans ce combat, parce que le combat en lui-même est cool, et je commence à l'avoir, c'est l'environnement, il est trop casse-couille. Genre l'endroit avec les... avec les pylônes, là, c'est horrible, genre vraiment, il est horrible. Quand tu commences à aller là-dedans, c'est horrible. Mais même là, c'est trop petit. En fait, il n'y a que le milieu, là, qui me convient. Le reste, c'est un peu chiant. Ah, va encore plus loin, frérot. Ah, c'est la merde, là. C'est la merde. On a trop vite fait d'aller dans les pylônes. Et merci beaucoup du follow, j'ai pas le temps de regarder, désolé, mais merci. J'espère que tu vas bien. Salut Suzuya, besoin d'un petit coup de pouce. Ça super et toi? Ça va, mais je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Parce que je suis sur ma première run d'Elden Ring et j'ai pas joué depuis un an au jeu. Je le reprends depuis. Ça fait un an que j'avais pas touché au jeu et je le reprends. Je l'ai repris hier le jeu, donc je suis pas sûr de pouvoir t'aider à grand chose. T'es trop greedy. Oh, il me reste un HP. OMG. Ok, il est bloqué. Il va réussir. Putain, oui, il m'avait fait cette attaque en plus. Le petit bâtard. Okay. Je sais pas où on est, mais on y est. Ah oui, du coup, ça a débloqué tous les accès après. Attends, quoi? Il a continué son attaque? Je sais même pas qu'il a continué celle-ci. Non, je te demandais si tu avais besoin d'un coup de pouce. Ah, pardon. Ah, non, 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 non. Surtout pas, non. Non, non, j'aimerais bien découvrir le jeu 100% par moi-même. Mais c'est gentil. C'est gentil d'avoir proposé. Aïe. C'est con, parce que si j'esquivais ces moments... On va lui mettre 3-4 hits gratos. Non, ne jamais reculer quand il fait les pics. Ne jamais reculer quand il fait les pics. Quand est-ce que j'apprendrai? Bien là. À prendre les âmes alors que ça sert plus à rien. Ah ouais?
La poutée. La poutée. Il va me faire une attaque de loin là. Si je me régène, il va me faire une attaque de loin, il va me baiser. Je te connais. Je te connais à force. Là il l'a fait, voilà, c'est bon, on peut se régène. Après j'aurais pu en profiter pour l'attaquer aussi, mais bon. Y a pas de deuxième phase. Wouhou, on a réussi. Sacoche à talisman. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? C'était dans quoi? C'était dans clé. Sacoche à talisman. Permet d'équiper davantage de talismans. Oh, et salut Flo, merci. Merci Suzuya. Thank you very much. Je peux équiper un talisman de plus, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce délire. C'est pas mal ça. C'est pas mal, bah du coup je... Est-ce que je remets ça là? Non attends, j'avais quoi? Ah mais non, j'avais ça. Augmente la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité, mais également les dégâts subis. Zoubi. Les dégâts zoubi. Ah ouais, mais attends. Pas mal hein. C'est pas mal du tout ça hein. Or certes on prend plus cher mais moi j'ai envie de dire tant qu'on se fait pas one shot, en fait il faut tester, c'est tout. Tant qu'on se fait pas one shot, c'est win, c'est tout. Bon, mettons-nous des points. Des points. Miam miam, des points. Montée de niveau, dextérité. Oh là là, oh j'ai pour deux. Oh attends, 24 000 runes nécessaires, 29 000. Je peux même aller chercher un troisième niveau là. Il me faut 5 000. C'est sûr que j'ai ce qu'il faut, j'en ai encore plein des runes. 5K. Et ça c'est énorme ça, ça me donne 10K d'un coup je crois, je sais plus. Est-ce qu'on peut savoir ou pas? Je suis pas sûr qu'on puisse savoir. Y a pas de détails. Ah si, 15 000. C'est énorme. En fait, je peux peut-être même prendre deux niveaux. Je peux peut-être même prendre deux niveaux supplémentaires là. On est à 45 000. Il me faudrait... Attends, j'ai dit que c'était combien? C'était 29 000. Il me faudrait à peu près 60 000. Je pense qu'on peut les faire, hein, les 60 000. Si on utilise tout, on va bien arriver. Merde. Le menuing de l'enfer. Et j'imagine que là, on peut prendre deux niveaux en plus. PF, 52 dex. Est-ce qu'on continue à level up après le 52 dex? On va mettre en vigueur. Attends, on va peut-être mettre en endu, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un point en endu. Ça fait longtemps que j'attendais. Alors du coup, qu'est-ce que ça a débloqué? Parce que oui, c'est bien, ça a débloqué les accès... A débloqué en fait tous les accès tout autour de cet endroit en fait. Et du coup la question va être simple. Où est la suite? Comme toujours. Where is the next? Le niveau d'anglais douteux. Est-ce que c'est là la suite? C'est peut-être là la suite. Est-ce que c'est là la suite? Ça a l'air joli ici. Ah, c'est peut-être là, et ensuite c'est là. Ah mais oui, parce qu'après ça c'est l'arbre monde.
Et après, c'est la fin du jeu, et après, on a fini. Non, je rigole. Je rigole, regardez tout ce qu'il nous reste à explorer, bordel. Putain. En fait, je sais pas si c'est pas genre un passage vers l'est de la carte. Vers le nord-est de la carte. C'est peut-être ça, en fait, l'arbre monde. Mais il faudrait que je retourne ici pour voir le niveau des mobs. Enfin, le niveau. Pour voir si je leur fais des dégâts aux mobs. Parce que j'avoue que je me souviens pas, il y a un an, là, je me souviens pas y être retourné. Donc, peut-être que maintenant, c'est une zone qu'on peut faire. Peut-être, globalement, je sais pas où est-ce que je dois... Je sais pas ce qui est de mon niveau réellement, tu vois. Mais bon, ça, c'est la découverte. C'est normal d'être perdu. Après, jusque-là, on a avancé, donc... tant qu'on avance, c'est bon. Oh putain! Comment je le chope, ça? What the fuck? Faut que je tire à l'arc? Je crois que... Je crois que c'est un nom. Retenez, c'est un nom. Non, bah, il y a peut-être un mécanisme pour y faire descendre tout en bas. Ça, c'est plus probable, tu vois. Ça, c'est plus probable. Ah, ok. Ah oui, donc c'est direct ici. Ok. Ah, là, on peut aller sur le toit. Ah, il y a sûrement des trucs à récupérer. Sûrement des trucs à récupérer par ici. Putain, c'est tellement beau ça, hein, vraiment. C'est tellement beau. Mais je crois que... Je crois qu'on va finir le jeu. Sur PS5. Bon, pas tout de suite, hein, bien évidemment. Et quand on aura terminé le jeu, je pense que je vais me racheter le jeu, mais sur PC. Histoire d'avoir un jeu... qui arrête de tourner à 10 FPS, là. Et je me ferai une autre classe comme ça. Bon, c'est peut-être pas un truc que je ferai en live, cela dit. Arc de l'arbre monde. Arc de l'arbre monde. Parce que c'est vrai que j'ai même pas regardé ce que j'avais comme arc, ça se trouve. Ah bah, je peux pas le porter. Il me faut de la foi. Dieu m'a donné la foi. Arc long plus 5, arc à poulie. Court en bois. Bah après lui il est monté quoi, il est en plus 5 donc c'est normal qu'il est normal qu'il soit meilleur en termes de stats. De stats. Rosée céleste. Putain, il y a tellement d'objets clés dans ce jeu, genre c'est... Il y a que ça. Rosée céleste. Ah, c'est la deuxième que je trouve. Permet de recevoir l'absolution dans l'église des vœux. L'absolution, c'est quoi? C'est si... si j'ai fait une connerie. On dirait un peu une queue de race, machin, mais ça doit être une racine. C'est si j'ai fait une connerie, ça me permet... Ah bah, c'est là qu'on va le choper. Principe de l'ordre d'or. L'ordre d'or. Donner à un prêtre. Ah bah oui, ok. C'est encore cette histoire de prêtre. Encore cette histoire de prêtre. Attends. Est-ce que j'ai tout regardé ici? J'ai un doute. Ah bah non, mais parce que du coup, il y avait un endroit où descendre, mais est-ce que c'est pas un endroit où je peux aller naturellement? Non. Ah, mais c'est un raccourci. J'avais pas vu. J'avais pas compris. J'imagine qu'on revient. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Ok, donc ça. Ah, je crois que ça, c'est ce qu'on voyait depuis l'arbre. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on voyait depuis l'arbre. Et du coup, là, il y a une petite chapelle.
Une petite chapelle. Ah, avec un mécanisme. Mais apparemment, je suis déjà... Bon, de toute façon, faut toujours prendre les ascenseurs. Parce que ça les débloque. Est-ce que ça va m'emmener en... En Siofra? Non. Ah non, c'est bon. Ok, du coup, maintenant, ici, j'ai un raccourci. Alors, je sais pas si je suis près de quelque chose. Après... Je suis près de rien de ce que je connais. Ah oui, ça... Là, oui, nous, on était passé par là. Mais ici... Ici, on connaît pas. Lire le message. Seule la régression peut révéler les secrets. D'accord. Il faut que je régresse. Genre, faut que je devienne con. Là, il y a des gens. Des gens. Ah, mais il est pas mort. Maintenant, il est mort. Graisse sacrée. Bien. Même pas ce que c'est graisse. Je sais pas si c'est pas des trucs, des éléments à mettre sur les armes. Qu'est-ce... Oh, y a un mec là-bas. Il donne pas envie. Il y a un truc qui s'est illuminé sous mes pieds. Mais attends, mais... Putain, mais j'avais d'autres trucs à visiter là-haut, là. Fuck. Il a pas l'air très, très sympathique, cette personne. Je le dis. Ouais. Ah merde. Elle s'en bat les couilles. Globalement, elle s'en bat les couilles de mon bouclier amélioré. Oh, elle a les mêmes attaques que le boss. C'est pas ça. Merde, j'aurais pu là, ça. Au secours. Par contre, les dégâts. Après, c'est vrai que j'ai la rune qui fait que je prends plus de dégâts, mais bon. Veuillez arrêter. Oh non, la portée du truc. J'avais mon bouclier qui était baissé. J'étais en mode non, mais elle va pas me toucher là. Bah si. Si, si. Bien sûr que si, elle va me toucher. Bon, de toute façon, j'avais pas d'âme, je crois. Ouais, parce que j'avais tout utilisé, donc on s'en fout. Et du coup, je suis intrigué parce que. Attends, c'était où ? Perdu. Est-ce que c'était par là? Du coup là on pouvait continuer, c'était là, on pouvait continuer au niveau de l'arbre monde, mais en même temps en bas, là où je suis allé, ouais voilà ça, en bas il y a un chemin qui se dessine en mode chemin de... Putain, j'aurais pas pensé qu'il avait autant de vie lui. Vous êtes un rapide, monsieur. Oh non, une chope. Oh, vas-y. Elle était tellement abusée, sa chope. Elle était tellement abusée, sa chope. Oh putain, vas-y. Au secours. Au secours, il y a que des mobs qui me cassent la gueule, au secours.
Tiens, c'était pas du tout là. Au secours, je me fais casser la gueule où que j'aille. Je vais juste vérifier. Il y avait quoi ici? Rien. Très bien. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui sert à rien. Enfin, c'est juste architectural. Vraiment, ils m'ont mis ça pendant le combat et ça m'a cassé les couilles. Mais en fait, ça m'a cassé les couilles pour rien. Je retiens. Ouais, du coup, le bouclier que j'ai là, il est pas tout le temps utile. Hein. Quand ça fonctionne, t'es très content. Après, en fait, c'est aussi par rapport au bouclier actuel que j'ai. En fait, c'est pas un bon bouclier. Enfin, c'est un bouclier moyen, quoi. Du coup, ça joue. C'est bon. Faut que j'essaye de lui mettre la sauce comme ça, ouais, dès le début, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mettre la sauce dès le début, c'est bien. Arrêtez, monsieur. Ça s'est pas joué à grand chose. Ah, un autre site. Ok. Oh, bon, en fait, j'aurais pu juste rusher. Ah, si je l'avais vu plus tôt, j'aurais rushé comme un sagouin. Si je l'avais pourvu. Je l'avais pourvu. Bénédiction de l'arbre-monde. Comment ça? Qui c'est qui me bénit? Ah, c'est un sort. Très bien. Une incantation. Il y en a des tablettes ici. Ok, là on s'approche de l'arbre monde. Donc du coup, boss. Deuxième boss. C'est enchaînement de boss, hein. Je suis pas full potion, mais c'est pas grave. Cinématique. Ah, donc ça veut dire gros boss, non? C'est ça que ça veut dire cinématique dans ce jeu. Ah, mais attends, mais on l'a pas. Mais on l'a déjà battu au début du jeu, lui. Big boss. Godric the Golden. Godric le Doré. Godric le Doré, c'est celui que je viens de battre. Les jumeaux prodiges, Mikaela et Malenia. Ah, Malenia, je connais. Ah bah oui, je connais, mais j'ai pas battu. Mikaela, ça me dit rien. Et lui, c'est le premier boss que t'affrontes dans le jeu. Radahn. J'ai pas affronté. Rikard, j'ai pas affronté. Ah, Rani, j'ai affronté, ouais. Ça me dit quelque chose. Putain, mais il manque plein de boss, en fait, à affronter. Willful traitors. Oh. Thy kind are all of a piece. Il n'a pas l'air très content, le monsieur. Pillagers emboldened by the flame of ambition. Ah oui, d'accord, c'était ça que cachait ton bâton en bois. Je sais même plus comment il s'appelle, lui. Mais c'est le tout premier boss que tu bats, il me semble. King Morgoth. Oui, Morgoth. Last of all kings. Ok. Donc en fait, c'est quelqu'un de plus important que ce qu'on nous laisse imaginer. Oh là là. C'est vrai que c'est un boss qui délaye à mort, lui. Putain, les dégâts qu'il m'a mis. Morgoth, roi des réprouvés. Non, roi réprouvé. Ah,
Ah ouais, faut arrêter de délai comme ça, monsieur, hein. Ça, ça va être du gros combat, ça. Et à mon avis, il n'y a pas qu'une phase. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais que il met tellement de temps à lancer des attaques que je pensais que j'avais le temps de me régénérer, mais non. Que nenni. Ça, là, j'ai le temps. En plus, il met des dégâts de saignement, ce chien. Merde, j'avais plus de vie. J'avais plus de vie. Je pensais que je m'étais régène. Ah mais je crois que j'avais plus rien dans mes fioles. Donc oui, non, je me suis pas régène du coup. Effectivement, je me suis pas régène. Si j'avais plus rien dans mes fioles. Ok, big big combat. La... J'ai oublié de me relever. C'est vrai que je crois qu'on peut lui péter la queue aussi. Je l'avais pas fait sur le premier boss. Et j'avais su après qu'on pouvait. Sauf globalement dans les Souls, tout ce qui a une queue, tout ce qui a une énorme queue, faut la focus pour pouvoir la couper et ça donne une arme. Du coup, je me demande si tu l'as pas fait la première fois, est-ce que tu peux le faire ici? Peut-être que oui. Peut-être que même si tu le coupes la première fois, il l'a pas ici. Eh ouais. Tu n'as pas pensé à ça. Je perds mon bouclier tellement vite. C'est ridicule. Alors là j'ai fait mais alors mais n'importe quoi, hein. j'étais pas du tout dedans. C'est vraiment, c'est si je pouvais faire n'importe quelle commande à la place de ce que j'aurais dû faire, c'est voilà, c'est exactement ça que je viens de faire. J'ai appuyé sur tous mes boutons. Je crois que j'avais pas mon bouclier d'activer en plus.
mieux en mieux. Mais là, ce coup, je me le prends toujours. Hein. Il a. Il le délaye tellement que. J'imagine qu'on peut esquiver les deux. N'importe quoi, c'est grave. C'est grave comment je fais n'importe quoi. Faut que j'arrête d'augmenter ma vie aussi parce qu'en fait là j'en ai trop. Mes potions elles me régènent pas. Enfin, elles me régènent pas assez par rapport à ma barre de vie donc en fait ça sert à rien. Ça sert à rien d'augmenter la vie. C'est pas facile là. Hein. Venez vous battre. Le truc le plus simple du monde, je l'ai pas évité. Plus tard. Très bien. Je suis un peu étonné d'avoir pris les dégâts en vrai, mais je pense que c'est parce que j'ai balancé ma roulade un petit peu trop tôt. Un petit peu trop tôt. Après, du coup, toute sa phase de où il m'attaque là plein de fois avec son sabre et tout machin, ça, je peux tout bloquer avec le. Bloqué avec le bouclier, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Trop tôt. Comme toujours, trop tôt. Après, il refait des attaques derrière. Je cherchais à esquiver alors que j'ai juste à bloquer. Enfin, ça va par contre, frérot. J'ai le droit d'exister ou. Apparemment, j'ai pas le droit. Apparemment, je n'ai pas le droit d'être. Non, mais c'est pas possible.
C'est pas du tout les timings de ces... À part celle-ci. Non, karma. Non, non, je l'ai pas. J'ai aucun timing d'aucune attaque jaune en fait. Mais oui, les attaques jaunes, ça passe à travers... ça doit être des dégâts magiques ou des dégâts de foot peut-être, j'en sais rien. Ça passe à travers... En fait, mon bouclier ne bloque pas tout. Bouclier ne bloque pas tous les dégâts. Je sais pas c'est quoi comme type de dégâts. Ça doit être des dégâts de foot, j'imagine. Des dégâts de foutre. Malheureusement, ceux qui sont meilleurs en foudre, je peux pas les équiper. Ah si, il y a celui-là. Il y a ceux-là, je peux. Mais le problème, c'est que c'est pas des 100% physiques. Et ça, ça me fait un peu chier. En fait, il me faudrait... Putain, celui-là est trop bien. J'ai littéralement juste envie d'augmenter ma force pour ça. Je sais pas combien j'ai de force. Parce que je sais pas si... Je crois pas l'avoir montée depuis le début du jeu, mais de base, elle est à combien? Avec le samouraï. Elle est à 12. Ça se joue en vrai, hein. Il y a moyen que mes prochains points, je les mette en force, du coup. Bon, du coup, on aura très certainement passé ce boss d'ici là, mais... Mais bon, le bouclier a l'air pas mal, quand même. Hop. Putain, et en plus, c'est sûr qu'il y a une P2. Et je galère comme un sagouin sur la P1. Mais putain, mais ça m'a pas remis mon bouclier alors que j'ai changé. Je vais péter un câble. C'est horrible quand ça fait ça, putain. Ouais bah c'est bon. Mérité. Ça casse les couilles quand ça fait ça. En fait, si tu fais une frame trop tôt, ça change pas ton truc en fait. C'est trop... Il faut attendre, en fait il y a un putain de cooldown. Alors je comprends, c'est pour la sécurité, pour pas avoir, pour pas pouvoir spammer ou quoi, j'imagine, mais il y a un putain de cooldown quand tu veux changer, quand tu fais une attaque et qu'après tu veux repasser sur autre chose. Alors je peux pas, là je peux. Du coup, si tu le fais un tout petit peu trop tôt, eh bien ça ne passe pas et tu te fais baiser le cul. En tout cas, il prend cher. Quand j'arrive à le taper, c'est ce qu'il faut noter. Avec avec la congélation et j'imagine le saignement en plus. Bah, ça fait des dégâts. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrive à placer les dégâts, quoi. Et ouais, c'est ça. Les dégâts jaunes, enfin, c'est n'importe quoi. Ces armes jaunes passent à travers mon bouclier. Donc ça va être le plus chiant. Ça va être le plus chiant. En même temps, ce serait trop facile d'avoir un bouclier qui bloque tout. Je vais essayer un peu de me focus. Malgré mon état de fatigue avancée. Quelle heure est-il d'ailleurs ? 19h57. Ouais, je vais pas faire long feu. On va pas... Ça m'étonnerait qu'on tombe le boss avant que j'arrête. Ça m'étonnerait.
Ouais, y'a rien. Ah putain, l'arène est énorme. Pourquoi je suis allé me foutre ici? Pourquoi je suis venu me coller à une putain de paroi alors que l'arène est gigantesque? Aïe aïe aïe. Mais ouais, malgré que je lui fasse des dégâts, y a assez peu de timing où on peut le taper quand même. Hein. Pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Il n'y a pas masse timing, quoi. On a même pas le temps de le... Il refait des attaques directes après. Soit il esquive, soit il fait des attaques. Ouais, j'ai même pas le temps de l'attaquer une fois. Ah, il y a après cette attaque. Ok. Là, il y avait le time. Là, il y avait le time. Il s'amuse lui en tout cas. Il s'amuse bien. Secours. Ok. Mais putain, j'ai pas le temps. I have no time. Please give me some time. Ooh, some time. I got a feeling. Yeah. Hein, c'est quoi ça? Ah, c'est une nouvelle phase. That's just another phase. Ah, il a une épée enflammée sanguignolante maintenant. Ah, j'imagine que ça je vais... Ah putain, ça fait des dégâts les traces. Ça je vais pas pouvoir y bloquer comme je veux. Ouais, je prends des dégâts sur tout maintenant. Et il parle. Il est vénère. Quand les boss ils parlent, c'est qu'ils sont vénères. Quand les boss ils parlent, ils sont vénères. Je ne vous pardonnerai jamais. Ok, bon bah P2. P2, ça explose. P2, il a une arme en feu et en sanguinaire. P2. Pourquoi pas? Au moins on aura passé la P1 ce soir, écoutez. Et moi je dis rien que ça. C'est magnifique.
Ah, il est relou. Franchement, il est relou. Il est un peu trop mobile. Un peu trop mobile comme la Batmobile. On s'emmerde là, hein. Ouais. On s'emmerde. Ma fiole bouclier, elle sert pas à grand chose vu que forcément je prends un dégât des trucs jaunes là. Zin 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 zin. Améliore temporairement l'endurance, réduit considérablement les dégâts subis. Mais ça, c'est un one time en fait, c'est ça le problème. En fait, c'est cool, mais c'est pas si cool que ça. J'ai quoi ? On va faire le tour. Restaure la moitié des PV Toto. Restaure progressivement des PV pour une durée limitée. Restaure la moitié des PC. Améliore temporairement la foi. Renforce les attaques chargées. Empêche brièvement la perte de runes. Réduit temporairement la charge d'équipement. Dans une fiole, déclenche une explosion. Pourquoi je voudrais me faire péter ? Bah en fait, j'ai que de la merde. Donc on va laisser. Voilà. C'était simple et efficace. Et j'ai de la merde. C'est éclaté ce que j'ai. J'ai déjà les deux meilleurs trucs pour on va dire pour mon build entre guillemets quoi. Zoué di di di. Zoui di zoué di 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 di. Je sais pas s'il faut vraiment que je la prenne. Esquiver le tout. Ou si je continue comme ça en mode balèque. J'ai quand même passé la phase 1 donc c'est pas mal. Ah, le fait qu'il attaque après les grosses attaques, ça me hante. Hein. Yes. Note à moi-même. Régène quand je suis plus loin. Note à moi-même. Zoué, bi, 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 bi. En vrai, ça va, il est facile. Non. Mais je me demande ce qui va se passer une fois que je l'aurai vaincu parce que... En soi, j'ai pas tué tous les gens. J'ai pas tué les autres boss du jeu. Je sais pas. Arrêtez, monsieur. On n'a pas vu l'esquive de tense. Laisse-moi tranquille, t'as eu de régène. J'ai un peu joué avec le feu.
J'ai l'impression qu'il l'a délayé. Ah ouais, ok, ouais, une deuxième activation. Ah, dommage. Il y a effectivement une deuxième activation sur son truc. Ok. Pas impossible. Clairement pas impossible. Juste compliqué. Juste compliqué, surtout avec ce framerate de merde. Mais bon. En fait, j'aimerais bien genre baisser tout ce que je pourrais baisser en termes de graphisme, mais le problème c'est qu'il y a rien. En fait, genre ray tracing, je l'ai pas. Là, j'ai favorisé les performances. Et après, en fait, il y a plus rien. Et après, il y a plus rien. Bienvenue sur console. Et c'est horrible. That's fucking horrible. Faudrait que j'ai encore une meilleure régène rendue. Là tu vois, ouais, je devrais l'attaquer. Là c'est free là. J'ai mal joué. J'ai complètement mal joué là. Mais ouais, quand il va pour faire son attaque là avec les couteaux qui machine, il faut que je l'attaque. J'ai le temps de lui mettre au moins 3 coups minimum. Et après je fais une petite esquive pour esquiver les premiers couteaux autour de lui et c'est parti quoi. Et c'est parti pour le show, c'est parti. Stade des shows. C'est parti. Bouge-toi sur ce flow. Nanana. Nanana. Oh quoi ? Non, en ouverture, t'as quel âge ? T'as quel âge pour me faire ça en ouverture ? On l'a déjà passé en P2 ? Un putain de bordel de merde ! On l'a déjà passé en P2 ? On lui a mis 3 coups ! On a fait proc congélation plus sanguignolant là. C'était la fin pour lui. C'est la P2 la plus rapide que j'ai faite. Hein. Enfin, la P1, pardon. L'accès à la P2 la plus rapide que j'ai faite. Ah. Ouais. Il faut que j'apprenne la P2 maintenant. Par contre, c'est abusé. Hein. C'est abusé ce que je lui ai mis. En P1 là. Je sais pas combien de temps elle a duré la P1, mais pas beaucoup.
Bon allez, je fais encore une run les amis. Et après je me casse. On n'aura pas fait énormément, on aura fait 2h30. Mais bon, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard et je suis éclaté sa mère en plus. Vraiment un début de semaine assez catastrophique, je vais pas vous mentir. Timing de merde. Le moment où j'aurais pu le passer en P2 je pense là, mais je me suis régène au lieu de d'attaquer. Pas très bien joué. Non, vous pouvez le dire, j'ai pas très bien joué. Je regarderai aussi là, juste après là, je vais couper. Ou non, je vais regarder avec vous. Vous savez quoi? Dernière run, vraiment la last de last, et on va aller à la table ronde, vite fait. Histoire de voir si on peut pas améliorer une arme ou un truc dans le genre, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Si on a quelques dégâts supplémentaires encore. Ça pourrait être intéressant. En fait, il faut que j'arrive à lui mettre les dégâts de début là, de congélation. Il faut que j'arrive à le taper assez vite. Et pour ça, il y a une grosse part de chance aussi, parce qu'il me faut qu'il me fasse des attaques comme ça. Voilà. Et après la part de chance, il y a la part de arrête de faire le con. C'est-à-dire arrête de te prendre les attaques de merde. Merde. Ouais. Je m'étais pas remis sur mes fioles. Un début de run catastrophique de la part du streamer français. Mais alors, en termes de catastrophie, on est pas mal là. En termes de catastrophiesque. Tu vois, d'habitude, il m'attaque quand même après le marteau. Donc là, j'ai pas osé l'attaquer. Je me suis dit que je vais bloquer. Et finalement, il m'a pas attaqué. Du coup, j'ai perdu 2 coups. C'est sad. Je suis trop con de penser que j'ai le temps de me soigner, genre c'est grave, je le sais que j'ai pas le temps. Je le sais que j'ai pas le temps et pourtant je le fais quand même. Bon, on va aller à la table ronde. On va voir un peu ce qu'il est possible de faire. En vrai, ça se trouve, il y aura rien à faire. Hein. C'est juste que vu que bah ça fait un an, littéralement un an que j'ai dû pas aller. J'ai juste envie de voir ce qui s'y passe. Ah oui, alors attends, je suis à quel feu là parce que... Oui, à chambre de la reine. D'accord. Ça roule. Merde. Mais non. On va aller voir un peu ce qui s'y passe. Et en même temps, je vais reprendre connaissance des PNJ et tout machin. Parce que je me souviens plus de rien. Ça pourrait être utile. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y a le doigt, il y a la vieille. C'est quoi les délires ici là? Qu'y a-t-il? Acquérir le pouvoir des souvenirs. Souvenir de la reine de la pleine lune. Ah oui, c'est pour avoir un sort et son arme.
Acquérir l'équipement des champions. Champions. Ça, c'est pour avoir des armures. Champions. Ah oui, en plus. Ah, c'est le stuff de la... de la reine lunaire, en plus. Ok. Mais je sais pas si... permet d'obtenir le pouvoir de l'homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. C'est elle l'augure des doigts? Ah oui, c'est elle. Bon, en fait, ça ne sert qu'à ça. Ah donc, ah, et je dois choisir soit l'épée, soit la sorcellerie. Vous faites apparaître une pleine lune et la lancer sur les ennemis. C'est pas mal ça, de lancer des pleines lunes sur les gens. Mais bon, intelligence 70. Ouais, de toute façon, intelligence 60 pour l'arme, intelligence 70 pour la sorcellerie, bon. Pour me dire que de toute façon, en fait je crois savoir pourquoi je l'ai pas pété le truc, parce qu'en fait, pas pété. Parce qu'en fait, les deux trucs, enfin j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Non, rien à foutre. Ah, c'est quoi ça? Accéder au combat du Colisée. Ah non. Ah non. Ah oui, donc maintenant que j'ai débloqué le Colisée, je peux aller au Colisée à partir d'ici. Je peux vous aider? Étudier les incantations. C'est pas lui. Pardon. C'est pas à lui qu'il faut que je donne les livres. Non, c'est pas lui. Non, c'est un prêtre. That was a priest. Where is the priest? Là, c'est le mage. Always good to see you, son. Que vouliez-vous? Apprendre des compétents. Parler. Peut-être devrais-je vous prévenir, ces derniers temps j'ai l'impression d'être sur le point de sombrer dans les abysses d'un insondable sommeil et j'ai comme l'intuition que cela pourrait vous attirer des ennuis. Je tenais juste à vous présenter mes excuses en avance, vous êtes si intimidant. Ah. Ok. Donc en gros il est en mode je vais bientôt roupiller, compte pas sur moi quoi. Traduction. Compte pas sur moi, bro. Ah oui, c'est là la forge. Ah oui, et c'est vrai, il y a la meuf. Il n'y a pas genre la meuf avec le mec là, ils sont. Enfin, avec le forgeron là, ils sont. Ils s'acoquinent. Pas lui parler lui? Non. Mais il me regarde d'un air circonspect. Bonjour. Qu'y a-t-il? Demi-dieu non localisé. Il reste 4 demi-dieux à trouver. Michaela, Malenia, la princesse de la lune, fille de Ranella. Ah mais non, je l'ai pas tué la princesse là. Le seigneur de sang, Rani. Non, c'est la fille en fait. Je comprends pas tout hein. Néphalie, c'est ma fille, je l'ai recueillie quand la grâce l'a abandonnée. Blablabla. Super. Montrez le breuvage de Céluvis. Ce breuvage, c'est bien ce que je crois. Satané Céluvis, je parie qu'il fomente encore quelque chose. Je ne m'interposerai pas, je vous laisse faire ce dont bon vous semble. La table ronde ne suit aucun code à proprement parler. Préfériez-vous pas me donner cette potion et trouver un moyen de duper cette crapule? Mais j'en sais rien moi. Je sais pas, c'est quoi le bail, c'est par rapport à quoi, je me souviens pas. Donner le breuvage de Céluvis. Je me débarrasserai moi-même du breuvage. Vous allez voir Céluvis mais ne lui révélez rien. Contentez-vous de lui annoncer que vous avez réussi à convaincre votre victime de boire la potion comme prévu. Mais qu'il ne sache absolument rien, il est si imbu de sa personne qu'il ne se doutera de rien. Son inévitable démonstration d'arrogance sera certainement plaisante à voir. Et bah je sais pas ce que c'était, mais bah du coup on a évité la mort à quelqu'un. Voilà, super. Et après je sais pas qui c'est Luvis. C'est toi, c'est Luvis? Non, c'est pas lui, c'est Luvis. C'est Luvis. Ça, c'est Luvis. Acheter. Ah ouais, il y a des trucs ici. Miroir. Vous fait prendre l'apparence d'un allié. Vous fait prendre l'apparence de l'autre des doigts. Pas si fan que ça des doigts. Hein. Une perle cinéraire, je n'ai pas. Ah là, il y a un bug.
Ah mais oui, lui, il est pas... il est bizarre, lui. Non, attendez. La malédiction ne vous est pas étrangère. Je sens sur vous l'odeur d'une souillure encore jeune. Apparemment, mon semi est prêt, il attend. Ah oui, j'ai trouvé un truc semi, là. Ce fut un répit de cour dorée. Allez libérer mon enveloppe charnelle, piégée dans les égouts sous la capitale. Clé de la geôle des égouts. Oh. Je pourrais vous tuer et souiller votre cadavre. Ici, la souillure ne ferait plus qu'un avec vous. Bah, de toute façon, tu vas pas vers ça. Ok. Ah, donc la capitale de Lendel, du coup, j'imagine. Parce que... Parce que c'est là qu'on a trouvé le semi, je crois. Ça, là. Malédiction du semi. Malédiction apparue sur un corps souillé par coprophage. Et là, il m'a donné les clés. Déverrouille la porte de la geôle sous Lendel. C'est ça. Incroyable. Tout est lié. Très bien, très bien. Bon, bah, si on s'en souvient, on ira. Mais on va oublier, c'est sûr. Après, juste le fait de le voir, de voir sa gueule, ça nous le rappellera. Mais... C'est qui, lui, D? Le mec s'appelle D. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la meuf, elle, c'est par rapport aux invocations. Les harmonisations spirituelles. Que je n'utilise pas. Mais que qui m'aiderait bien. Je les entends émaner de cette aile par-delà la table ronde. Vous devrez éviter cet endroit. Je sais votre bravoure, mais je vous en prie. D'accord. On ira voir le forgeron après. Elle, je peux lui faire un câlin. Mais je crois que c'est un debuff qu'elle me donne, non? Voulez-vous vous faire étreindre? Dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée. Mais je crois qu'elle me... C'est un malus, non? De se faire étreindre, je sais plus. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Ne faites pas attention à moi, ce n'est pas important. Duplication de cendres de guerre. C'est vrai que je peux faire ça, mais du coup, j'ai pas compris à quoi ça sert de dupliquer une cendre de guerre. Vendre. Est-ce que je veux vendre des trucs? Je suis pas sûr de vouloir vendre des trucs. Hein. Dans le jeu, on a envie de tout garder. Cendre de guerre, justement. Ça, après, je peux y faire n'importe où. Renforcer une arme. Du coup, plus 9. Pour la passer en plus 9, il faut... Ah, du coup, on... Ah, si je la passe en plus 9, ça améliore les, la congélation. Pas mal, ça. Il me faut... C'est où que c'est écrit, ce qu'il me faut? Vous n'avez ni tous les composants, ni assez de runes. Non, mais les runes, oui. Mais les composants... Où c'est que c'est écrit? Je suis aveugle. Un maille aveugle. Ah oui, pierre de forge. Pierre de forge 3. Quoi? Il me faut que des pierres de forge. Des forges. Des pierres de forge. Il me faut que des pierres de forge 3? Alors que là, je suis en train d'en trouver des 6. Ah oui, d'accord. Mais attends, j'aurais pas un retard sur mon stuff? Si actuellement je trouve des 6. Est-ce que j'ai pas un retard mental? Je crois que j'ai un retard mental. Je crois qu'effectivement j'ai un sacré retard en termes de stuff. Je suis en train de chercher ça. Utiliser. Mais non, mais... À chaque fois que je me fais avoir, c'est chiant. Utiliser quantité sélectionnée. Je sais pas combien il faut que j'en prenne. 4000. Parler. Renforcer une arme. Ah non, mais il en faut 6. Ok, il en faut 6 et j'en ai que 3. Putain, donc il faut que je trouve des pierres de forge 3 en fait. Oh là là. Et tu vois, ouais, 5. Ah mais ça doit passer de 3 à 5 du coup, j'imagine, non? Non, je suis peut-être de la merde, j'en sais rien en fait. Parce que du coup, on avait parlé de d'améliorer l'autre Ushigatana aussi, là. Ushigatana plus 1. Ça coûte quoi? Pierre de forge 1. Tac. Pierre de forge 1.
Pierre de Forge 2. Et Pierre de Forge 4. Non, Pierre de Forge 2, mais il m'en faut 4, pardon. Je dis de la merde. Ok, comme ça il est un peu amélioré, et si à un moment on a envie de tester le... un build double épée, on pourra. Mais du coup, putain, Pierre de Forge 3. Mais faut que je retourne au début en fait. Faut que je retourne dans les zones du début. Pas le choix. J'ai pas le choix, faut y aller. Si je veux améliorer mon arme actuelle. Mais ouais, j'ai clairement un retard sur mon stuff, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah oui, c'est vrai que pour débloquer les salles ici, j'avais dû donner des lames de pierre. Je crois que j'avais tout débloqué, hein, ouais. Plus que ça m'avait apporté d'ouvrir tout, mais pas grand chose. Et après les autres accès ils sont fermés. Ça se débloquera peut-être plus tard. Du coup ouais, donc ça c'est la copie du même endroit mais à l'Endel. C'est un peu bizarre. Je me demande ce que ça veut dire. Ok. Bon bah j'essaierai de faire ça en hors stream, hein, parce que de toute façon là on va pas restreamer Elden Ring avant lundi prochain. Ou alors peut-être que je streamerai peut-être samedi. Peut-être si je stream samedi, on fera peut-être du Elden Ring. Ça dépend. On verra. Déjà si je stream et s'il n'y a pas quelqu'un avec qui... avec qui je peux jouer, je ferai autre chose. Mais au pire, si je peux streamer et que je suis tout seul, eh bien je lancerai Elden Ring. Et on continuera l'aventure. Et en attendant, je pense que je vais aller farmer les pierres. Je vais faire ça. Je vais améliorer mon stuff. Et comme ça, la prochaine fois qu'on se voit sur le jeu, eh bien j'aurai un stuff un petit peu meilleur. Même si globalement c'est pas ça qui va faire que je vais comment dire, que je vais réussir le combat contre machin là, mais c'est juste que je serai un peu meilleur et du coup je ferai un peu plus de dégâts. Les stacks de congélation et de saignement, ils seront un peu plus effectifs en moins de coups, donc voilà. Bon, merci d'avoir suivi l'aventure les amis, merci d'avoir été là, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de beaucoup à le cœur. Demain on recommence parce qu'on avait fait la démo cet été, on recommence le jeu de beaucoup à le cœur qui était plutôt cool, donc voilà, hâte de voir ce que donne le jeu au complet, parce que malheureusement on n'était pas allé plus loin qu'une seule histoire, parce que pour remémorer, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans des romans et qui il se passe des trucs, il y a un espèce de... Il y a un tueur en série, voleur, je sais pas quoi. Il y a un mec déjà qui s'introduit dans les romans, qui fout le dawa. Et nous, notre but, c'est d'essayer de réparer un peu le tout. Mais je crois qu'on est aussi un peu hors la loi. On est surveillé par une instance, bref, je sais plus trop quoi. Et on doit faire des choix. Et ces choix, ils se répercutent, de ce que j'avais compris, sur la suite du jeu. Parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de tester ça, parce que la démo s'arrêtait après le premier roman. Donc on va découvrir ça demain, donc 17h30 normalement s'il n'y a pas de soucis. Normalement ça devrait être bon. Et voilà, des bisous, bonne soirée et à demain, ciao ciao.